Eh ben salut tout le monde, c'est Toxic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve 2 jours après le teaser posé sur ma chaîne, ou le trailer comme on veut, hein, sur The Crew les gars. Ça me fait vraiment plaisir, parce qu'il y a même pas 2 semaines de ça, on parlait avec Dragon, que on roule beaucoup sur The Crew, on se balade beaucoup, mais c'est vrai qu'on disait ce serait bien qu'il nous montre comme de TDU des motos, histoire que ça change. Et là on regarde le 3, et boum. Voilà le choc quoi, le teaser quoi. Les motos, et là on était vraiment content, ça va redonner vie au jeu les gars. Plus il n'y a pas que les motos, il y a plusieurs types de voitures. Voilà, j'ai vraiment perturbé parce que je suis vraiment content les gars. Enfin, vous savez pas comment ça peut me faire plaisir d'avoir des motos. Donc sur le site officiel, il rappelle bien sûr, j'aime bien, mais oui, vous avez tout compris, les motos font leur apparition dans The Crew. Donc ce que j'aime dans cette phrase, c'est très important, c'est les motos. C'est genre, on n'aura pas une, on en aura plusieurs. Donc ça c'est déjà intéressant, parce qu'au début on se demandait, quand on a vu le teaser, ouais mais s'il y a qu'une moto, ça va être cool, honnêtement, ça va être cool de piloter une moto. Mais si ça change pas, et qu'il y a toujours la même, et tout le monde a la même, je pense pas que ce sera cool longtemps. Et au final, bah, dans leur phrase, ils disent qu'il y aura les motos. Donc vous voulez forcer, pas vrai? Tenez-vous prêt, Dragster font leur apparition. Donc ça c'est aussi un truc énorme, parce que Dragster c'est des courses vraiment de puissance. Et ça va faire mal les gars. La puissance, il y a que ça qui compte en mode Dragster. Donc je sais pas si vous vous rendez compte comment ça peut... Voilà, après il y a quelques spéculations, on va dire, qu'il y en a qui parlent du nouveau DLC. Enfin, nouveau DLC on peut l'appeler, ou nouveau contenu, on sait pas exactement, mais... Il parle d'une nouvelle map, une nouvelle carte, mais moi personnellement ce que je vois dans le trailer, c'est tout simplement des nouvelles courses. Bah c'est déjà pas mal honnêtement, je suis déjà pas déçu. Mais je sais pas si vous avez bien regardé le trailer, vous l'analysez bien, vers la fin ils font voir des épreuves, comme si des épreuves de factions qui sont rajoutées sur la map. Donc je pense pas qu'il y aurait une extension de carte, parce que j'ai entendu parler du Mexique depuis quelques temps. Mais le Mexique ce sera pas possible. Flelo, un abonné, me parlait dans les commentaires d'Hawaï. Après honnêtement j'aimerais, tu vois, j'aimerais beaucoup, parce que si je dis pas de bêtises, pour ceux qui connaissent TDU, ils ont déjà la map modélisée, vous voyez. TDU c'était déjà un jeu graphiquement qui était bien au-dessus des autres, et qui a duré une paire d'années en faisant des renouvellements comme ça, en rajoutant des véhicules, en rajoutant des motos, en rajoutant aussi les casinos pour les joueurs. Donc c'était vraiment énorme. Donc si The Crew prend ce chemin là, parce qu'honnêtement sur la chaîne, bon, les astuces ça commence à plus sortir, tout simplement parce qu'il y en a plus, les hauts faits sont bouclés. Mais bon, moi je sais qu'une chose, c'est qu'avec cette mage là, il nous apporte en plus des levels, parce que rouler pour rien c'est pas intéressant. Rouler pour des levels c'est beaucoup mieux les gars. Donc on va continuer avec les Monster Truck les gars. Punaise, ça c'est de la tuerie. Ça, les Monster Truck, vous pouvez pas, c'est... En tout cas dans le trailer c'est bien stylé. Après je sais pas comment gagner, est-ce que c'est des courses de vitesse, je sais pas du tout, mais ça a vraiment de la gueule. Et enfin, il marque dans leur site, et enfin l'une des configs que vous avez tous réclamé fait son apparition. Préparez-vous à déraper comme jamais avec la prochaine config Drift. Donc ça les gars, ça va faire vraiment mal. Honnêtement, ça va faire vraiment mal. Donc compétition de drift, on revient à l'époque de Need for Speed et tous ces jeux là où on a bien kiffé là dessus. Donc c'est correct, c'est propre. Après je sais pas, ils parlent aussi sur leur site d'une refonte graphique. Bon, qu'est-ce qu'ils parlent par là, je sais pas du tout. Après on verra bien. Donc voilà les gars, donc ça c'est un gros patch. Je sais pas comment on peut appeler ça, un DLC ou comment dire, une add-on du jeu, vous voyez, on va payer pour l'avoir. Mais honnêtement moi ça me dérange pas du tout, si ça peut permettre de faire vivre The Crew. Parce que The Crew c'est un jeu super joli, super beau, et honnêtement avec ces trucs là en plus, ça peut faire que du bien les gars. Donc en tout cas n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma page Facebook, enfin voilà, tout ce que vous voulez, histoire qu'on soit plus en contact possible, à venir sur ma chaîne Twitch aussi, parce que je fais des lives assez souvent. Donc passez les gars, en tout cas je suis vraiment content, vous pouvez pas savoir. C'est pour ça, dès que j'ai vu le trailer j'ai dit, ça c'est pour les abos, on va mettre ça sur la chaîne, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui lui...